Je me présente, je suis Mademoiselle Eddy Ange Aurélia. Je suis titulaire d'une licence en sciences de l'information documentaire et actuellement responsable archives dans une entreprise de la place. Je pense qu'une femme archiviste vit son métier aussi bien qu'un homme. Il suffit juste d'avoir beaucoup plus de courage parce qu'il faut se faire une place dans le milieu des hommes, ce qui n'est pas toujours facile. Dans mon cas, je prends mon exemple. Moi, je suis responsable, je suis jeune, je suis très jeune. Je suis responsable d'archiviste. C'est pas toujours facile, mais quand tu sais ce que tu veux, tu mets les points, tu as une vision, tu sais comment atteindre ta vision. Être une femme de métier d'archiviste, je pense qu'une femme travaille aussi bien qu'un homme, puisque je suis archiviste responsable et je suis aussi mère de famille. Mon métier n'empiète pas sur ma vie familiale. Comme anecdote, je peux raconter mon expérience dans une entreprise, notre entreprise, avant d'être là où je suis. Vu que je suis une femme, on nous avait recruté deux archivistes. Et en cours du projet, l'autre archiviste est parti. Je suis resté seul. Le patron était un peu désolé. Il m'a dit qu'il ne pensait pas que je pouvais faire le travail à moi toute seule. Là-bas, le travail consistait à, on va dire, mettre en place un dépôt d'archives. Donc, j'ai dit que je pouvais faire. Il a dit, ok. Bon, il m'a dit ça. Il n'avait pas tellement confiance. D'abord, je suis jeune. Je suis une femme. J'ai dit, elle peut pas. Donc, on va voir ce qu'elle va faire. J'ai juste demandé de l'aide à quelqu'un dans l'entreprise. Et on va dire, en 4 mois, j'ai monté le dépôt d'archives. J'ai fait la cotation. J'ai fait les cahiers de charges. J'ai tout fait. J'ai monté le service d'archives à moi seul. Pour dire qu'une femme est capable de tout. Les femmes sont très courageuses. Les femmes veulent. Quand elles veulent, elles peuvent. C'est le courage. La femme archiviste doit avoir beaucoup plus de courage que l'homme archiviste pour s'imposer dans son métier d'archiviste. Et puis, les gens ont tendance à croire que les femmes sont paresseuses et aiment la facilité. Donc, dans ce métier-là, pour se faire respecter en tant que femme, il faut avoir beaucoup plus de courage qu'un homme et avoir beaucoup plus de détermination. C'est ce que moi, je peux dire aux femmes archivistes comme soutien et comme motivation. Merci beaucoup.